Un sommaire en pleine nature avec la visite du club d'athlétisme de la Possession tenu par des super bénévoles. Nous terminerons par le portrait d'une ambassadrice du Trail Réunionnais. La convivialité, quoi, je veux dire, et la sportivité, et c'est ce qui qualifie bien le club du Capos. Le côté effort en groupe, sortie en groupe, et puis le bénévolat aussi, beaucoup. Et ben, c'est cette ambiance, cette convivialité, tous ces petits mondes, c'est agréable comme tout. Ouais. Depuis 25 ans, le club d'athlétisme de la Possession fait courir notre jeunesse. Une association qui a simplement explosé ces dernières années en raison du phénomène trail. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire d'abord un petit échauffement comme d'habitude. Donc on va tourner autour de la piste, vous verrez. Et ensuite, vous aurez trois ateliers. Sur les 350 licenciés, 110 enfants aiment se dépenser dans ce club. La montagne n'est pas encore au programme. À cet âge, l'important est de s'amuser. Il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils courent, qu'ils lancent, qu'ils sautent, mais toujours sous forme de jeu. Ils sont dans un club d'athlétisme pour eux. Le mot, c'est athlétisme. La course de montagne, à cet âge-là, il y en a quand même pas mal qui ont les parents qui font de la course de montagne, donc ils ont cet objectif quand même, ils voient leurs parents courir, ils ont envie de faire comme leurs parents. Vous êtes plein là? Vous êtes tous bénévoles, tous... Pourquoi vous faites ça? Alors ben, on fait ça parce qu'on aime ça. En fait, moi je suis venue au Capos parce que... au départ je suis venue à cause du Grand Raid, oui. Pour m'entraîner moi personnellement, et puis entre-temps je suis devenue une jeune retraitée. J'ai eu du temps, j'ai eu envie de m'investir dans le club, et puis j'ai trois enfants, j'ai toujours bien aimé m'en occuper, et puis naturellement je suis venue à m'occuper des enfants dans le club. Une dynamique impulsée par ses bénévoles, un excès de motivation obligatoire dans ce club de 350 personnes qui ne compte aucun salarié. Il y a Brigitte, Eric et Sylvie. Ils vous apprennent quoi, Brigitte, Eric et Sylvie? Des sauts, des lancers et de courir des marches athlétiques, de courir plus vite. On aime ça bien et quand on fait des trucs de vitesse aussi. Ils sont pas un peu sévères et tout? Non, sont... non, du tout. Pour les plus grands, ils vont de la montagne pour faire de la course. Et un jour, vous voulez faire ça? Oui. Alors, qui sera champion un jour? Ouais. Cette prise en main des jeunes, ce n'était pas le chemin emprunté par Maud Combarieux, une métropolitaine qui s'est épanouie dans le trail à La Réunion avant de retourner sur ses terres. Qui a toujours le sourire, qui a, t'as l'impression qu'elle te ramène le sourire de La Réunion. Incomparable. Money is the anthem of success. So before we go out, what's your address? I'm your national anthem. Un petit bout de monde toujours en activité. Un petit volcan quoi. Je fais de la course de montagne depuis 8 ans, depuis que je suis arrivée à La Réunion. Et je prends plaisir à être dans un milieu qui me plaît et à courir dans les sentiers. C'est de bon matin dans le Pays Basque qu'on retrouve Maud. Elle se prépare sur les petites courses de la région. Cette championne incontournable de la discipline a découvert le trail à La Réunion. On s'est connus en tant que serfile avec une équipe, disons, mixte, avec des réunionnais, des habitués. Et je pense que c'était pratiquement ses premières rando à La Réunion. Son arrivée dans l'île a eu lieu après un grave accident de la circulation. Une étape difficile de sa vie, simplement une envie de rien qui s'est inversée en une folle envie de tout. Et comme elle le dit sur son blog, plus loin, plus haut, meilleur. Voilà pour ça, c'est à tout à l'heure.
elle devient réunionnaise par la course de montagne qui lui réussit. Et la touche de mode combarieux, ce sont ses tisanes et ses gâteaux qu'elle partage à chaque course. Généreuse, mais dans tous les sens du terme. Généreuse même au niveau matériel, où elle t'offre des gâteaux, tout ça, mais généreuse dans l'effort. Généreuse, ça lui va très bien. Mais avoir sa bonne humeur dans la course, il ne faut pas croire que c'est facile d'être championne. Ça suffit pas d'aller promener dans la montagne pour être sur un podium sur une course de montagne. C'est vrai qu'il faut s'entraîner, il faut donner du temps, il faut prendre beaucoup de temps et aimer ce qu'on fait, quoi. Vous me portez chance. Il faut venir à chaque fois avec moi, tout le temps. Cette nouvelle vie au Pays Basque lui donne un regard sur le phénomène course de montagne réunionnais. La course de montagne à La Réunion a une ampleur que les Réunionnais, dont les Réunionnais n'ont pas conscience. C'est-à-dire que au niveau de l'organisation, au niveau de l'investissement de tout le monde, au niveau de, du niveau sportif, etc. C'est énorme. De retour à Hendaye, pas loin de la mer, La Réunion n'est pas très loin. Ça, c'est les souvenirs de Serfil Grand Raid. Donc oui, ça, j'en ai ramené un, c'est la première chose que j'ai mis en arrivant dans la maison. Elle est née à la Provence et tout ça, elle a vécu partout autour du monde, mais quand quelqu'un lui demande où tu viens, d'où tu viens, elle répond toujours de La Réunion, donc c'est impressionnant, c'est ça qui pour moi, elle est de La Réunion aussi. La cuisine est l'autre passion de cette enseignante, avec ce sourire qu'elle n'a toujours pas quitté depuis le matin. Ça s'appelle l'énergie. Quand tu as l'énergie, tu vas... Après, elle est fatiguée. Parce qu'elle est fatiguée. Au fin de la journée, elle est fatiguée, mais c'est l'énergie. Après avoir déjà gagné le Trail de Bourbon, la Mascareigne et beaucoup de courses à La Réunion, Maud s'attaque cette année au Grand Raid. Mais le Grand Raid, c'est long quand même. Hein. C'est une aventure, à mon avis, une aventure humaine, une aventure pour soi. Et c'est une expérience que j'ai vraiment, vraiment envie de vivre. Il lui dit toujours de profiter. Surtout de profiter, pas de gagner, de s'éloigner un peu de la concurrence, de profiter la montagne. Ses dernières performances la classent parmi les prétendantes au titre. Et ce qui fait la différence entre un sportif de haut niveau et un champion, c'est peut-être celui qui sourit à la vie. Programme ce soir. Groupe 1, groupe 2, 8 petites, 5 moyennes. Groupe 2 bis, groupe 3, 6 petites, 4 moyennes. Retour à la possession pour la prise en main du groupe des adultes. De toutes les origines et parfois de très loin, ils se retrouvent 3 fois par semaine pour partager ce goût de la montagne. Pour vaincre les dénivelés, cette pratique passe forcément par le goût de l'effort. Ça fait du bien et puis ça nous donne aussi ça nous encourage, quoi. Voilà, avec le haut niveau. Ça nous permet de progresser, tout ça. C'est dur pendant l'entraînement, mais après, ça paye en montagne. C'est, bon, voilà, c'est le dépassement de soi. En fait, on est ensemble et quand on est ensemble, on a envie davantage se dépasser quand on est tout seul. Quel intérêt d'habiter sur une si belle île, d'avoir de beaux sentiers et de ne pas profiter, quoi.
ce club a explosé grâce au phénomène de développement de la course de montagne. Mais aujourd'hui, ces passionnés veulent des résultats, des programmes d'entraînement ou simplement une ambiance, comme leur regroupement annuel Manger Bouger à Dodane. Bref, une prestation de service. Pourtant, face à eux, ce sont bien des bénévoles comme Michel, une présidente au four et au moulin. On voit un petit peu les ténors, ceux qui ont l'habitude d'être devant. Ils nous donnent des conseils. On a des entraîneurs qui sont vraiment très performants. Et cet esprit d'équipe-là, ben, c'est la force du CAPOS, quoi. On évolue tous ensemble. On voit pendant les courses, non ? Pendant les courses, on est vachement solidaires, donc que ce soit chez les hommes et surtout chez les femmes, quoi. Donc on se soutient les unes les autres. Donc on est vachement fiers quand on voit des filles du CAPOS qui sont devant. C'est comme si c'était notre propre victoire. Les dernières séries de fractionnés en côte, c'est-à-dire des accélérations du rythme cardiaque afin d'améliorer sa capacité de récupération, sont de plus en plus difficiles. Il faut aller puiser dans ses réserves, c'est là que le groupe prend tout son sens. Allez ! Pousse, pousse ! Allez ! Jusqu'au bout, jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Ouais ! Ah ! Mais là, on se met vraiment en condition de course. Vraiment, c'est là, comme je dis, travail spécifique, travail côte. Là, on travaille vraiment la force. Là, il faut aller, les gars. Je dis, là, c'est là. Là, ça se passe. Et on y va, on s'entraîne. Et on s'entraîne. C'est l'entraînement qui se fait mal. Vous avez vu pendant toute l'année les résultats du CAPOS. On est là, mais on bosse dur aussi. C'est avec le travail. Voilà, très dur. Voilà peut-être la différence avec un autre club d'athlétisme. Si cette discipline vous intéresse, c'est le moment de prendre des notes. Déjà depuis février, mars, on a commencé déjà l'entraînement pour le Grand Raid en octobre. On est sur la fin, presque sur la fin. Après, bon, ben, comme on a vraiment, c'est dans une phase, la phase vraiment de récupération. Il faut arriver sur le Grand Raid, on va dire, vraiment frais. Surtout, vous connaissez un petit peu le parcours cette année. Il est vraiment, on va dire, pour employer le mot, méchant. Ces dernières années, portées par le phénomène Grand Raid, la course de montagne ne fait que se développer. Tout le monde se pose la même question de l'avenir. Un grand champion donne son avis. Je pense que ça va durer pendant un moment parce que le trail, ça ne date pas de très longtemps. Le trail, ça a à peine 5-6 ans. En métropole, ça fait fureur, donc forcément, Paris-Cochet, ça va arriver ici. On a, nous, à La Réunion, que des montagnes. Forcément, les gens se reconnaissent là-bas. Après, on est beaucoup plus connus quand on court dans la montagne. Si je pose la question qui est le meilleur sur les 10 km à La Réunion, je ne pense pas qu'une personne sur 4 peut-être pourra répondre, mais sinon ça, si on demande qui a gagné le Grand Raid, là, bien un gars qui a marqué le Grand Raid comme Rionné, tout de suite on va trouver des noms. Donc forcément, c'est un phénomène de mode et de challenge pour les Rionné. S'approprier son territoire, partager le goût de l'effort, la course de montagne a peut-être un avenir, simplement parce qu'elle fait du bien.